you'll find me soon, trapped in the darkness, lost in the night, so far away, out of sight. Je te laisse prononcer le mot parce que moi j'y arrive pas. The goal. The goal. C'est super beau. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est magique. À couper le souffle. On ne voit pas la rivière. Je sais pas si on va l'entendre sur la vidéo, mais on entend la rivière coulée. Une rivière souterraine. La rivière souterraine qui est cachée par tous ces chaos qui sont en plein milieu de la forêt. Ouais. Ça pourrait presque faire penser un petit peu au saut du Chalard en Dordogne, mais avec, au lieu d'avoir la rivière, là elle est en dessous. Ouais, sauf que là les cailloux sont plus gros. Oui, ils sont plus gros aussi. Là c'est des gros cailloux, tu vois, c'est des cailloux géants. Exactement. C'est énorme. On va poursuivre la visite. Things that I will do.
Et voilà, c'est parti pour la deuxième nuit. On est dans une forêt à côté de Wulgoat. Wulgoat. On n'est pas toujours au top pour le nom. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai demandé à un monsieur qui. Le monsieur au bar de Wulgoat, comment on appelait la ville. Ouais. Et il m'a dit que c'était Wulgoat. Ouais. La première personne à qui il a demandé, elle venait de Nice, alors elle n'était pas. Non, vraiment. Ça c'était à Paimpont. Ça ne savait rien du tout. Bien, donc bilan de cette petite journée. Le matin c'était à Brocéliande et l'après-midi c'était à Wulgoat. Sachant qu'on avait 2 heures de route entre les deux, c'est vite passé. Et ce matin. Oui, tu rigoles parce que j'ai dormi, c'est ça? Carrément, c'était plus long pour moi. Voilà. Et donc ce matin, nous avons fait quoi? Nous avons fait le Hôtel de Viviane, le Promontoire des Géants, le Tombeau des Géants, l'Église du Graal, dont on avait oublié de parler. Tout à fait. J'étais trop content parce que j'ai acheté ma pièce. Et voilà. Et voilà, oui. Et on est allé manger, on est retourné au Brésilien pour manger notre casse-croûte. Et nous avons pris la route pour Wulgoat. Voilà. Et après, pour définir Wulgoat en un mot. La fameuse, une des grosses forêts des druides. Tout à fait. Et en un mot, c'est magique. C'est vraiment magique. Non, mais rigole pas, on ressent quelque chose d'extraordinaire quand on est dans cette forêt beaucoup moins touristique que Brocéliande, est beaucoup plus agréable. On ressent vraiment quelque chose et même les rencontres qu'on peut y faire sont magiques. Enfin bref, pour moi, ça va être un énorme souvenir et un très très bon souvenir. Ouais, alors quand tu parles de rencontres, ce serait bien que tu développes parce que le truc, c'est que on a voulu finir la journée avec le gouffre de Wulgoat. Exactement. On est descendu. Juste en face du parking, pratiquement, parce qu'on avait fait une petite boucle, et la petite boucle s'est avérée qu'elle a servi à rien, parce que c'était juste une sorte de randonnée, et on a perdu du temps, et on était en fin de journée, et que du coup on était un peu pressé, parce qu'après pour monter le campement, quand il fait nuit, c'est pas très agréable, et on est descendu, d'un coup, comme ça, on a fait du tout droit, juste en face du parking, et on est tombé sur quelque chose d'exceptionnel. Exactement. Et c'est la première fois que tu le vois de ta vie. Moi non, mais toi c'est la première fois. Ouais. Et je te laisse raconter. Eh bien, en fait, on a suivi le son au départ, le son du gouffre, où on entendait de l'eau. Et on est descendu. En arrivant tout en bas, d'un seul coup, c'était plus l'eau qu'on entendait, c'était un chant. Un chant, véritablement un chant. Un chant dans la forêt, c'était... On ne sait pas d'où ça venait. C'est ce que j'ai dit plus tard, un peu comme le chant d'une sirène, parce que ça, on était attirés, vraiment attirés, on y est allé. Et là, on a rencontré une dame qui était pieds nus au milieu de la rivière et qui chantait. Et... On ne l'a pas rencontrée au début parce qu'elle était toute seule, elle était dos contre nous. Et elle chantait. Et c'était juste un... Voilà, c'était un moment un peu suspendu, un moment magique où il y avait elle qui chantait et nous qui la regardions. C'était extraordinaire, vraiment extraordinaire ce qu'on pouvait ressentir à ce moment-là. C'était tout simplement une femme druide. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était une druidesse, comme on pourrait dire maintenant. Et après, on a fait un petit bout de chemin avec elle. Enfin, un petit bout, mais vraiment petit, parce que le chemin ne nous a pas paru long. Au final, il s'est passé quelque chose d'étrange. Oui, parce que ce petit chemin avec elle nous a paru très, très court. Mais alors, par contre, quand on est remonté, on était à je ne sais combien de mètres de l'endroit où on était descendu. C'est 700, 800 mètres. C'est ça. Parce qu'on a pas mal marché, et là, au bout d'un moment, on s'est vraiment posé la question, mais il est où le parking? T'as même regardé sur le GPS pour savoir où il était. Et au final, on s'est retrouvé à discuter avec elle sur le retour, parce qu'on l'a félicité,
Et on l'a admirée pendant au moins 5 minutes. Et le remonter un petit peu avec elle, c'était très court. Mais on s'est retrouvés mais vraiment à l'autre bout. C'était étrange. Très étrange. Oui, mais... mais quelque chose de bon. Quelque chose de bon. Des fois, il y a de l'étrange qui fait du bien. Ouais. Enfin, en tout cas, ce petit périple nous a ouvert les yeux sur plein de choses. Je pense qu'on va, ressortir de ce moment-là. On va encore dormir cette nuit. Cette fois, il pleut pas, il n'y a pas d'orage, c'est bien. Enfin, il y a des gouttes qui tombent, mais je pense que oui, on va repartir avec des idées différentes. Tout à fait. Parce qu'on a quand même vécu des moments depuis le début de ce périple, des moments assez exceptionnels. Exactement. Du plus désagréable au plus intense. C'est vrai. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Mais et tout ça dans les légendes celtiques et arthuriennes. Mais moi, je vais retenir que les bonnes expériences. Bah, en même temps, oui, enfin, en même temps, pour apprendre à apprécier les bonnes expériences, il faut en connaître des mauvaises. C'est vrai. Sinon, tu ne peux pas savoir ce c'est qu'une bonne expérience. Oui, mais là, oui, c'est pas ce que je dis. Je dis que je vais oublier les mauvaises et retenir que les bonnes. D'accord. Bon ben voilà, donc on va vous laisser, nous on va aller se coucher et on se retrouve demain pour la fin de Huelguat et aussi pour les Monts d'Arrée. Cette fois on y est. Ouais. C'est à 15 minutes d'ici. On va y aller. Les Monts d'Arrée, c'est un peu ce qu'on appelle les Highlands bretonnes. Exactement. Allez, il faut être en forme demain. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit.